Guinée, Guinée. Mes chers compatriotes, demain le 2 octobre 2023, la Guinée, notre cher pays, célèbre le 65e anniversaire de son accession à la souveraineté. Cette fête nous rappelle et galvanise notre fierté, notre dignité comme en ces jours le 2 octobre 1958. Elle célèbre notre liberté recouvrée, exalte la bravoure de nos vaillantes forces de défense et de sécurité et glorifie le courage, le dynamisme de nos femmes, de nos hommes notamment, de notre jeunesse entreprenante, espoir de demain. Guinéens, Guinéennes, mes chers compatriotes, ce 65e anniversaire m'offre encore l'occasion solennelle de vous souhaiter une très bonne fête. Je tiens particulièrement à saluer au nom de la nation nos anciens combattants ainsi que tous les compagnons de l'indépendance pour tous les sacrifices consentis pour la défense de notre patrie et pour cette liberté que nous célébrons aujourd'hui. Hommage à tous nos devanciers, illustres ou anonymes, qui nous permettent aujourd'hui de célébrer cette indépendance pour laquelle plusieurs d'entre eux ont consacré leur vie et consenti d'énormes sacrifices. Guinéennes, Guinéens, les défis auxquels nous sommes confrontés ne connaissent évidemment pas de réponse simple, mais je suis persuadé que nous trouverons ensemble des solutions adaptées grâce à notre créativité et notre persévérance. Il y a de bonnes raisons de croire à l'avenir, car le chemin déjà parcouru est une preuve éloquente de la résilience de notre peuple. En effet, le 5 septembre 2021, lorsque les forces de défense et de sécurité prenaient les responsabilités pour la rectification institutionnelle de notre pays. Le tissu social était complètement fissuré, avec une quasi-absence des valeurs de vivre ensemble. Les Guinéens ne se regardaient plus en frères et sœurs. C'est pourquoi le thème central du 65e anniversaire de notre accession à l'indépendance n'est pas fortu. S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble. Ceci dans le but d'atteindre, dans un ordre très précis, les trois priorités de la transition qui portent sur le social, l'économie et le politique. État de fragilité sociétale de notre chère patrie est tel que nous avons trouvé une société complètement gangrenée par le communautarisme et le tribalisme. Une cohésion nationale inexistante. La fierté d'être Guinéen était dès lors profondément ébranlée. Le premier devoir que nous avions alors était de penser ses plaies et permettre aux Guinéens de se retrouver enfin pour construire un avenir radieux pour nous et pour les futures générations. Notre société est faite de valeurs et de croyances et nous savons que, quelles que soient les divergences, les Guinéens restent profondément attachés à leur patrie. Nous continuons d'entreprendre les actions pour resserrer les liens, restaurer la paix et la quiétude, renouer le dialogue. Et rétablir la confiance entre les populations et les gouvernants. Cependant, il reste encore beaucoup de défis, notamment la réalisation des réformes institutionnelles et politiques pour atteindre les objectifs de bonne gouvernance, afin de bâtir une Guinée unie, prospère et pacifique, où chaque citoyen, quelle que soit son origine ethnique, religieuse ou politique, à sa place et ses droits respectés. Mes chers compatriotes, la situation économique de notre pays est un autre défi majeur que nous devons relever. La Guinée dispose de ressources naturelles abondantes, mais nous devons les exploiter de manière responsable et équitable au profit de tous les Guinéens. Nous sommes déterminés à lutter contre la corruption et à promouvoir la transparence dans la gestion des ressources publiques. Nous travaillons également à diversifier notre économie pour réduire notre dépendance. La transformation des produits locaux est un axe clé de notre processus de développement irréversible. Le secteur agricole est au cœur de notre stratégie de diversification économique. Nous investissons dans l'agriculture pour accroître la production alimentaire et créer des emplois dans les zones rurales. Nous encourageons également les investissements dans les secteurs de l'industrie, de l'énergie, de l'infrastructure et des technologies de l'information pour stimuler la croissance économique. Dans le cadre des secteurs prioritaires, comme la santé, les infrastructures et l'éducation, les réalisations ainsi que les efforts consentis sont visibles par nos concitoyens. Ainsi, la santé n'ayant pas de prix, nous avons mobilisé et continuons de le faire d'importantes ressources financière et matérielle, pour la rénovation, la construction d'hôpitaux et de centres de santé de proximité à travers tout le pays, pour donner à nos populations un accès aux soins de qualité à moindre coût. En ce qui concerne l'éducation, nous sommes déterminés à améliorer l'accès à un enseignement de qualité pour tous les Guinéens, l'éducation est la clé du développement de notre pays. Et nous investissons dans la construction d'écoles, la formation d'enseignants et l'élaboration de programmes éducatifs adaptés. Des réformes courageuses sont en cours dans plusieurs secteurs, notamment dans la fonction publique en particulier la biométrie des fonctionnaires qui sera bientôt terminée. Celles-ci ouvriront les perspectives d'emploi pour les jeunes, en plus des opportunités considérables qui seront offertes dans le cadre du projet Simandou. Mes chers compatriotes, la Guinée est sur la voie de la réconciliation, du développement et de la prospérité. Mais il reste beaucoup de travail à faire et nous devons le faire ensemble. Chacun de nous a un rôle à jouer dans la construction de l'avenir de notre pays en s'inspirant du passé pour construire le futur ensemble. Inspirer du passé pour construire le futur ensemble, c'est rétablir le vivre ensemble permettre à chaque Guinéenne et Guinéenne d'avoir l'amour de son prochain pour un avenir radieux pour tous et pour les futures générations. S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble, c'est amorcer le processus de développement économique irréversible pour le plus grand bonheur du peuple souverain de Guinée. S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble, c'est bâtir des institutions fortes avec une constitution qui nous ressemble et nous rassemble avec pour seul but les intérêts du peuple souverain de Guinée. Je tiens à réaffirmer mon engagement pour la Guinée et pour notre peuple. Je suis convaincu que grâce à notre unité, notre détermination ainsi que notre solidarité active, nous continuerons à faire face aux défis auxquels notre pays est confronté. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Vive la Guinée unie et prospère. Je vous remercie.